Vous venez vous lever les mains. Les autres, vous tendez les mains vers eux, on va prier. Et vous allez voir les témoignages qu'on va recevoir. Ceux qui ont besoin de miracles, pas tout le peuple. Amen. Bon, je vais spécifier. En fait, c'est pas. Nous tous, on a besoin de. Même moi, j'ai besoin de miracles. Je vais descendre aussi là. Voilà. En fait, quand je dis miracle, ça dit qu'il y a un cas spécial dans ta vie où tu veux vraiment que Dieu fasse quelque chose. Et pour que tu puisses nous ramener le témoignage après. Je me tiens dans sa présence. Et je proclame sur vos vies le miracle de Jésus-Christ. Fermez les yeux. Recevez le miracle au nom de Jésus de Nazareth. Et que la puissance de la parole de Dieu fasse un effet dans votre vie maintenant. Amen. Et que tout esprit d'opposition, à ton miracle, soit ôté maintenant. Si tu es malade, tu es guéri. Amen. Si tu es possédé, tu es délivré. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, la Bible dit dans Corinthiens, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Si tu es stérile, le Saint-Esprit te guérit. Si tu es poursuivi par la mort quitte ta vie maintenant. S'il y a les ténèbres dans ta vie, à la place des ténèbres, tu reçois la lumière. Reçois le miracle. En vertu du sacerdoce qui a su nos vies, nous proclamons que tout sceau qui enferme vos vies soit brisé. Tout impact satanique, tout ce qui agit contre votre guérison, pendant que nous prions, il y a des miracles qui sont en train de se passer. Il y a des gens à qui on a déclaré des maladies incurables qui sont en train de recevoir la guérison. Alléluia. Il y a des gens à qui on a déclaré qu'ils n'allaient jamais marcher. Regarde maintenant ton miracle. Nom de Jésus. Ton miracle se fait maintenant. Regarde tes pieds s'affermissent. Ta hanche reçoit la guérison. Nom de Jésus. Le nerf sciatique se remet à marcher. Au nom de Jésus. Regarde maintenant. Les muscles s'affermissent. La guérison dans ta hanche. Au nom de Jésus. La guérison. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Si tu crois en Dieu, et que tu crois qu'il puisse faire le miracle dans ta vie, reçois. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un à qui on a diagnostiqué un mal qui va se manifester d'ici quelques temps. Regarde maintenant là. Le mal meurt à la racine. Au nom de Jésus. Nous maudissons cette maladie. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont poursuivis dans leurs rêves, ces choses prennent fin maintenant. Tous ceux qui ont des liens de famille, ces liens sont brisés maintenant. Au nom de Jésus. La malédiction ancestrale prend fin. Au nom de Jésus. Les liens de famille sont brisés. Au nom de Jésus. Les liens maléfiques de famille sont brisés. Au nom de Jésus. Voici la fraîche rosée qui descend sur vous. Voici la vie de Dieu qui descend sur vous. Voici la paix de Dieu qui descend sur vous. Alléluia. Vous entrez dans une zone sans guerre. Alléluia. Vous entrez dans une zone sans guerre. Alléluia. Les guerres à l'intérieur prennent fin. Alléluia. Les guerres à l'extérieur prennent fin. Alléluia. Les guerres dans vos foyers prennent fin. Merci. Les guerres dans votre entreprise prennent fin. Au nom de Jésus. Toutes les guerres prennent fin. Au nom de Jésus.
La Bible dit qu'il nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Si tu as été envoûté, le Saint-Esprit te délivre maintenant. Au nom de Jésus. Bientôt, il y aura les élections en Côte d'Ivoire. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai la puissance de Dieu. Seigneur, je te prie de veiller sur ma nation. En ce jour du 25 janvier 2020, je déclare la Côte d'Ivoire zone sans guerre. Côte d'Ivoire, que la paix de Jésus soit attachée à toi. Et que toute voix satanique se taise à jamais dans ce pays. Seigneur, envoie ta paix dans notre nation. Fais en sorte que les élections se déroulent normalement. Fais en sorte que, Seigneur, tous les esprits de guerre soient chassés de la Côte d'Ivoire. 2020, Côte d'Ivoire, zone sans guerre.